pour le coup, je m'y suis vraiment intéressé. Autant dans mon enfance, ça ne faisait pas partie parce que voilà, c'était, j'y accordais pas d'importance. Autant en m'y intéressant, je me suis beaucoup attaché au personnage, beaucoup, beaucoup. Et j'ai commencé à lire Gaston et à comprendre qu'il y avait des doubles lectures. Enfin, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Et du coup, je me suis lié d'amitié avec ce personnage qui n'existait pas. Voilà. Alors, il y a un micro qui attend par là, sur la droite, c'est ça? Alors, c'est ton papa, son fils. Il voulait vous demander s'il ne vous a pas trop fatigué le fait. Il a raison. C'est franchement. Mais non, t'as raison de poser cette question. Mais oui, on a fait beaucoup de villes et je crois que c'est. Non, comment il s'appelle? Islam. Comment? Islam. Islam, c'est la meilleure question qu'on m'ait jamais posée. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que c'était fatigant. Les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'était infernal. Il fallait garder une position comme ça tout le temps. En forme de S, c'est Franquin qui l'a inventé. T'avais beaucoup de maquillage. J'avais 2 heures de maquillage le matin. Je m'étais même en cours, je me réveillais pas le matin et on me demandait de me réveiller à 6 heures. Enfin, tu dormais pendant le maquillage. Ouais, d'accord. C'est la vérité. Et il dormait tout le temps de toute façon. Les seuls moments où il n'a pas dormi, c'est les images où vous voyez qu'il a les yeux ouverts et encore des allumettes. Non mais c'est vrai. Le fauteuil qu'on lui a construit, là, qui était incroyable, je voudrais racheter, d'ailleurs on a le droit de racheter tout. C'est un fauteuil où je t'endors direct. Il faisait que dormir dedans. Oui, c'était hyper fatigant.